À 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Cette phrase, c'est celle d'un homme que vous avez déjà entendu parler ce soir, c'est celle de Jacques Séléla, qui défendait alors Nicolas Sarkozy dans la fameuse polémique de la Rolex. Jacques Séléla, vous savez bien qui est Jacques Séléla, c'est ce publicitaire politique qui a mené Mitterrand à la victoire. Ah, cet homme, un grand sage, ancré dans le réel, avec de profondes réflexions sur notre monde. En effet, il a dit cette magnifique phrase, « Même si on est un clochard, on peut arriver à mettre de côté 1500 euros. » C'est d'une justesse. Pour cet homme, l'argent n'a de valeur qu'avec ostentation. Pour cet homme dont la pensée loge dans l'esprit de beaucoup d'autres, pardonnez-moi, l'argent est devenu une valeur associée au mérite résultat de la combinaison du travail et de la réussite. Mais l'argent n'est pas synonyme de travail et de réussite. L'argent est bien plus complexe que ça, l'argent est bien plus profond que ça. Cette conviction que l'argent n'a de sens qu'avec ostentation est un danger. Et cette vision n'est que le reflet d'une vanité puérile. Plongeons-nous alors, si vous le voulez bien, dans le premier fragment du fond de ma pensée. L'argent n'est pas une valeur. Lorsque vous allez dans votre supermarché favori, madame de la Provoté et monsieur Abraham, avec votre demi-douzaine de vos pâtes et votre baguette de pain, alors 9 centimes, pensez-vous bien à prendre votre sachet de 500 grammes de travail et votre sac d'un kilogramme de réussite? Non. Non, les véritables valeurs ne s'achètent pas. Pourtant, l'argent s'achète. On prête de l'argent, on parie de l'argent, on imprime de l'argent, on spécule sur l'argent, on perd et on gagne de l'argent. L'argent n'est qu'un. Un simple accord entre nos mondes libéraux pour que nos vies soient mises au carcan au gré de petits papiers gris, rouges, bleus, oranges, verts, jaunes et violets. À son opposé, on trouve les valeurs et les notions de travail et de réussite. Individuels et immatériels sont des termes qui les qualifient bien et qui les opposent de fait avec l'argent. Alors, considérés comme synonymes, argent et travail et réussite seraient fondamentalement une méprise. L'égalité entre ces valeurs n'est donc pas possible, très bien. Mais n'est-il pas primordial de considérer maintenant la perception personnelle que l'on a de ces valeurs? En effet, ces notions jouent des rôles très importants dans nos vies et cela au dépend de la manière dont on les perçoit. Jacques Séléla, homme aveugle et cupide, considère que le travail et la réussite ne sont que de futiles tâches intermédiaires dans la quête de richesses opulentes. Mais on peut voir ces notions d'une bien différente manière. Alors, imaginez. Un modeste couple. Lui est un artisan ébéniste qui travaille le bois avec une précision et une finesse inégalées. Elle a fait les beaux-arts et son coup de pinceau est l'un des nombreux reflets de leur vie. Ensemble, ils ont eu une fille de 3 ans maintenant qu'il regarde grandir avec tendresse. Pour elle, il leur souhaite de choisir un métier de rêve qui n'est en fait qu'une passion. Pour eux, le travail est la construction laborieuse, mais magnifique, d'un château dont les murailles seraient faites de zèle et de fierté. La réussite, ils l'ont. La subsistance, la reconnaissance de leurs proches et d'eux-mêmes, la fille qu'ils ont mis au monde et le bonheur qu'ils ont.
la véritable réussite. Quant à l'argent, l'argent pour ce couple n'a d'utilité que pour maintenir le paradis qu'ils ont créé et offrir à leur fille tout ce dont elle a besoin. Pour leur enfant, ce couple ne veut pas de fortune. Pour leur enfant, ce couple ne veut pas de Rolex. Pour leur enfant, ce couple ne veut pas de la plume de Jacques Seguela. Et honnêtement, on s'en passe très bien. Alors, comment pourrions-nous unifier argent et travail et réussite, alors que leur définition même reste flexible et dépend de la sensibilité de chacun? Nous ne le pouvons pas. Vous avez maintenant les clés de ma pensée. Et si nous ne devions ne retenir qu'une chose, retenons donc cela. L'argent ne peut simplement pas être synonyme de travail et de réussite. Alors, voyons l'argent comme un moyen, plutôt que comme une fin. Menons nos vies selon nos valeurs, seul véritable prestige. L'argent n'est pas une valeur. L'argent doit être le serviteur de nos valeurs. Et c'est en cette noble fonction que l'argent